Maintenant, je vais vous expliquer brièvement ce qu'est le sionisme. Comme je vous l'ai dit, le judaïsme est une religion plurimillénaire. Elle remonte aux patriarches Abraham, Isaac et Jacob. Le sionisme est à peine centenaire, créé par Théodore Herzl et ses amis, des gens totalement athées, des gens qui étaient totalement étrangers à la religion, qui détestaient la religion. D'après la croyance juive, depuis la destruction du temple il y a près de 2000 ans, c'est-à-dire depuis l'exil du peuple juif, Dieu a fait jurer au peuple juif de ne point tenter de retourner en masse sur la terre d'Israël. Nous ne devrions jamais nous rebeller contre une quelconque nation. Et nous ne devrions jamais rien tenter afin de mettre un terme au décret exilique émanant de Dieu. Seul Dieu, sans la moindre intervention humaine, peut mettre un terme à cet exil. Et Dieu est très compatissant. Il regarde tous les peuples qu'il a créés, et donc le peuple juif parmi eux, dans l'exil. Et c'est quand il jugera le moment opportun qu'il mettra immédiatement un terme à l'exil. Il se produira alors une révolution métaphysique dans le monde. Le monde entier reconnaîtra qu'il n'y a qu'un seul Dieu, et il le servira, rassemblé dans l'harmonie et la paix. Nous n'utiliserons pas les armes, ni ne lancerons une offensive militaire pour convaincre les gens qu'il n'y a qu'un Dieu unique. Simplement, nous nous lèverons tous ensemble pour servir Dieu, ce à quoi un juif aspire, ce qu'il espère, ce pour quoi il prie. À l'époque, au début du sionisme, à ses prémices, les rabbins se sont insurgés unanimement. Ils protestaient, disant « C'est un blasphème, c'est de la rébellion contre Dieu. Si cette idéologie est mise en application, nous en souffrirons terriblement. » Malheureusement, les sionistes ont réussi. Tout d'abord, ils voulurent aller en Ouganda. Là-bas, il y avait des terres vierges. Mais ils comprirent que la nation juive ne les suivrait pas. Aussi se jouèrent-ils et abusèrent-ils des espoirs et des aspirations que pouvait entretenir tout juif à retourner à Jérusalem. Et ils leur dirent, « Nous sommes en train de vivre les prémices de la rédemption. Viens, suis-nous. Retournons ensemble sur la terre d'Israël. » S'appuyant sur l'ignorance des multitudes non-juives dans le monde entier, ils abusèrent de leur compassion, escomptant qu'elles prendraient pour argent comptant ce que dit la Bible, à savoir que cette terre appartient aux juifs, et diraient « qu'on leur donne la terre ». Ils ont utilisé ces sentiments afin de poursuivre leur entreprise, de marquer des points sur le terrain, dans l'objectif de s'accaparer la Palestine. La Palestine était un pays peuplé d'êtres humains, les Palestiniens, c'est-à-dire les Arabes habitant cette contrée, ainsi que des Juifs orthodoxes qui craignent Dieu. Et tous dirent comme un seul homme, « Nous ne voulons pas d'un État d'Israël, nous ne voulons pas de ça. » Et étant donné que les sionistes ont usurpé la terre, qu'ils sont allés en Palestine et qu'ils l'ont volée au peuple palestinien, ils ont soumis ce peuple par la force des armes, puis ils l'ont expulsé. C'est là une seconde grande tragédie, une transgression, une rébellion contre Dieu, un agissement criminel contre Dieu. Et tous les rabbins étaient contre ces exactions. Ils étaient ulcérés, révoltés par ce que ces juifs non religieux avaient fait. Je terminerai par ceci. Je tiens à dire simplement que les sionistes, bien loin d'être les protecteurs des juifs et les garants d'un havre de sécurité pour eux, sont en réalité les principaux responsables de l'antisémitisme dans l'ensemble du monde. Là où l'antisémitisme n'existe pas, les sionistes le fabriquent. Ils sont les principaux responsables des dissensions et de la haine envers les juifs dans le monde entier. Nous prions. Nous demandons à tout le monde de prier pour la liberté de la Palestine et pour la venue du jour où la gloire de Dieu sera révélée au monde entier et où nous pourrons tous le servir dans la paix et l'harmonie dans un futur proche. Amen.